in your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, we feel it. But you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, if you fold it up, hey. Cause this is Africa. It's time for Africa. Alors, je voulais te présenter ce petit vidéoclip, en fait, t'entendre cette chanson-là, puisque, ben, ça met pas de mort, de un. Et de deux, ça fait mention de voyage et aussi de soccer, hein. Puis aujourd'hui, on reçoit Patrice Bernier, donc un joueur de l'Impact, maintenant retraité, là, comme joueur, mais par contre très investi, hein, comme entraîneur adjoint de l'Impact. Alors, petit clin d'œil à cette musique qui me rappelle aussi de beaux moments de voyage dont je te ferai part durant les prochaines journées. Alors, aujourd'hui, on continue, hein, notre thématique voyage et j'ai envie de te faire parcourir le monde, pas au niveau des écoles, comme je l'ai fait hier, mais plus au niveau des merveilles du monde. Alors, toutes ces merveilles architecturales qui existent. Et ben, on va commencer ça avec la première qui se trouve en Chine, la Grande Muraille de Chine. Alors, ce que je fais, c'est que je te présente à l'instant des images, hein, pour que tu puisses justement admirer ce que c'est. Alors, laisse-moi sortir de ça ici et te présenter justement les merveilles du monde. Alors, les voici à l'instant. La première. Je te parlais de merveilles du monde. Alors, qui dit merveilles du monde, dit la Grande Muraille de Chine, puisqu'elle fait, imagine-toi, donc 21 000 km de long, donc la plus grande structure humaine jamais construite au monde. Ensuite, ici, on voyage, on s'en va maintenant à Rio de Janeiro. Alors, on a la statue du Christ Rédempteur perchée sur le mont, hein, sur un mont ici. Et elle domine Rio de Janeiro depuis là, une hauteur de 710 mètres. Alors, c'est vraiment, vraiment très impressionnant. Je t'amène au Mexique, mais non, pas vrai. Je t'amène donc sur le mont Machu Picchu, en fait, qui veut dire vieille montagne. Et on retrouve ici, là, une cité inca qui fascine vraiment les voyageurs parce qu'elle a été maintenue vraiment protégée dans un très bon état et elle est à une grande, grande, grande altitude là, en montagne. Maintenant, voici Mexique. Je t'amène sur le site archéologique de Chichen Itza, alors au Mexique. Et ici, on voit une pyramide, hein, puisque les pyramides, c'est quand même assez fascinant au niveau de la construction et ça a été là, vraiment très bien conservé. Poursuivons notre voyage en Italie, où est-ce que, ici, je te présente le Colisée de Rome, où est-ce qu'il y a eu de nombreux combats de gladiateurs, même le film, hein, Gladiateur, est inspiré un peu de ça. Plus de 50 000 personnes peuvent assister dans cet amphithéâtre, hein, lors de l'Empire romain. C'est vraiment un monument là, le plus visité de l'Italie. Maintenant, rendons-nous en Jordanie, en fait, dans la ville Petra, qui est une ville creusée à même la roche. Alors, c'est vraiment très impressionnant. Et on a pu, entre autres, l'admirer là, pour les grands fans là, dans Indiana Jones, hein, dans les aventures. Maintenant, je termine notre voyage du monde avec les sept merveilles, avec ceci qui est le Taj Mahal, tu le connais probablement, qui est le symbole même de l'Inde. Hein, et il a été construit, là, au 17e siècle, donc ça fait vraiment très longtemps. Et c'est un empereur, en fait, qui a laissé en héritage, en fait, qui avait fait construire ce Taj Mahal en souvenir de son épouse. Hein? Alors, quelque chose de très romantique, ce qu'il faut savoir. Et beaucoup, beaucoup de visites hein, au niveau de l'Inde pour le Taj Mahal. Alors, c'était mon tour du monde dans cette merveille du monde. Et maintenant, nous allons être prêts à commencer nos mathématiques. Et ce que je vais faire avec toi, c'est une révision aujourd'hui davantage. On va voir, oui, un nombre du jour, mais aussi ce que je veux faire, c'est vraiment aller retravailler là, tout ce qui a rapport avec nombre décimaux, fractions, pourcentage. On en avait fait un petit peu là, durant les dernières semaines, les fractions. Mais on va creuser un petit peu plus pour que vraiment que ça soit clair dans ta tête. C'est quoi la différence entre les trois et comment tu peux les mettre en application dans une résolution de problème. Alors tout d'abord, commençons avec un nombre du jour. Hein, ça devient de plus en plus facile pour toi, à mon avis, de ressortir hein, les éléments de la numération. Commençons avec ça. Alors on est le 9 juin. J'écris ça dans mon carnet 2020. Et mon nombre du jour est celui-ci, alors 3800,
75. Alors, ce que je vais faire avec toi, c'est premièrement, on va le décomposer. Tu t'en viens habile pour faire ça. Si j'étais toi, je ferais pause et j'essaierais de décomposer. J'essaierais de sortir, justement, la valeur de chacune des positions pour bien comprendre. Tu peux, tout d'abord, pour que ça soit facile, hein, je te l'ai dit à plusieurs reprises, l'inclure dans un tableau de numération. C'est toujours plus facile. Hein? Alors, si, par exemple, j'ai à faire mon tableau concernant ce nombre, j'ai les unités, les dizaines, les centaines, les unités de mille, les dizaines de mille, les centaines de mille, et on s'arrête là au deuxième cycle. Alors, on se rend jusqu'au million. Là. Alors, 3875, j'ai simplement allé le réécrire, 3875, et après, ça devient facile de le décortiquer. J'ai 5 unités, 7 dizaines, j'écris ça comme ça, 8 centaines, j'écris ça comme ça, et 3 unités de 1000, c'est donc 3000. Ça va ça pour la décomposition. Maintenant, je vais te demander combien il y a de dizaines. T'en souviens-tu comment on faisait? Combien de dizaines y a-t-il dans ce nombre? Je ne veux pas le chiffre à la position de ces dizaines, ça c'est facile. Je sors combien il y a de dizaines en tout. Donc, si j'avais là, à mettre des 10$, 10$, 10$, 10$, pour me rendre jusqu'à 3870 et 5$, là, combien je devrais m'en mettre? Alors, ici, je pars de mes dizaines, mais ici, là, j'en ai là, 387. Dizaines. Hein? C'est à force d'en faire qu'on commence par que ça soit vraiment instinctif de trouver la quantité contenue dans un nombre. Maintenant, je t'avais parlé d'arrondir. Faisons-le avec ce nombre. Alors, j'aimerais que tu arrondisses en fait. On va y aller avec l'unité de 1000. Tiens. Unité de 1000. Alors, pour savoir quelle unité de 1000 hein, on doit arrondir, bien, on repère notre position, il est bien inséré dans notre tableau des valeurs, et on regarde est-ce qu'il est plus proche de l'unité de 1000 précédente ou la suivante. Dans ce cas-ci, on a, est-ce que c'est plus proche de 3000 et la précédente, et la suivante, c'est 4000. Bien là, facilement, hein, 3e, 4e année, ça devrait être facile, j'ai 3800, il y a 3900, puis après j'arrive à 4000, donc c'est beaucoup plus proche de 4000. Donc c'est 4000 pour arrondir. Ça va pour ça? OK. Alors, ce que je vais t'inviter à faire, c'est on efface ça et on va rentrer dans le cœur du sujet qui est nombre décimaux, qui fait référence à des fractions et à des pourcentages. Alors, j'efface ça, c'était mon nombre du jour. Et je vais te présenter quelques diapositives qui vont t'amener à travailler ceci. J'espère que ça va être clair. Là, j'ai fait un effort assez considérable pour te mettre ça clair, qui résume vraiment toute la notion. Là. Alors, voici ce que je veux te présenter. Je vais te mettre ça en moyen grand écran. Qu'est-ce qu'un nombre décimal? Il faut que ça soit clair dans ta tête. Hein? Un nombre décimal, c'est que j'ai pris une unité, là, OK? Ben, que ça soit un petit carré, là, j'ai des dizaines, à côté, tu vois, j'ai mes unités. Donc, je suis rendue avec un petit cube unité, puis c'est comme si cela, là, je le brisais encore, puis je le divisais en 10 petits carrés. Tu te souviens, c'est parce que notre système numérique est en base 10. Donc, c'est pour ça que ça devient 10 petites choses, OK? Une fraction de quelque chose. Ah, une fraction de quelque chose. Donc, un nombre décimal, c'est aussi une fraction. Poursuivons. Alors, je t'ai mis ça sur des droites numériques pour que tu comprennes bien, OK? Entre 0, j'ai rien, et un entier, il y a plein de petites parties. Et ces petites parties-là, tu vois, je te les ai montrées, c'est des fractions. Donc, un dixième, c'est une partie sur les 10 petites parties que je t'ai parlé tout à l'heure. Et ça va comme ça pour le reste, OK? Alors, souvent, dans des fractions, peut-être que tu l'as fait aussi à l'école, on parle, quand on parle de fractions, d'une pizza, d'une barre de chocolat, OK? On parle d'un entier qui est divisé en certaines petites parties. Mais ça peut être aussi une collection d'objets. As-tu vu en haut de mon image, j'ai des bagages. Je pourrais très bien te dire que le 2 dixième de mes bagages, par exemple, m'appartient. Hein? Alors, ça peut être une quantité de petits objets séparés ou un bloc d'objets ou une pizza qui est pris ensemble et que là, je sépare, OK? Maintenant, regarde bien. Je t'ai mis deux droites numériques. Ce que je voulais faire en te présentant ça, c'est de te dire, regarde, la même droite numérique divisée en 10 aussi peut représenter des nombres décimaux. Alors, quand j'ai 0,1, c'est un dixième, c'est donc 1 sur 10. Et c'est la même chose avec la suite. Alors, 0,7, je vais prendre 0,7, c'est 7 dixièmes. Et tout de suite, ça arrive là, égal avec la ligne supérieure.
C'est bon ça? Est-ce que tu veux que je te le grossisse? Faut que ça soit clair pour toi que des fractions, c'est comme des nombres décimaux, c'est la même chose. On continue. OK. Si je te dis, dans un avion, parce qu'on est sur le thème du voyage, j'ai 3/10 des sièges qui sont libres. Je voudrais que tu me mettes ça en nombre décimal. Comment tu m'écrirais 3/10 en nombre décimal? Ça doit être aussi clair pour toi. En faisant référence à ma droite numérique, bien, 3/10, je m'en vais voir ma fraction 3/10 et whoop, je descends, c'est 0,3. Alors, la réponse 0,3, c'est égal à 3/10. Même affaire. On poursuit? Tu me suis? OK. Ici, on prend un nombre. Et là, pourquoi pas l'inscrire dans ton carnet? Si, par exemple, je prends le nombre 374 et 52 centièmes, parce que c'est comme ça qu'on dit, on ne dit pas virgule 52, OK? C'est 52 centièmes. Bien, tu dois savoir que le nombre décimal qui est ici, là, 0,52, c'est aussi, tu as suivi si je te l'ai mis. C'est comme si je disais que c'est 5 fois, si c'est des dixièmes, un dixième. Puis ici, c'est 2 fois un centième. C'est des centièmes ici que j'ai. Alors, je pourrais l'exprimer en fraction, ce reste-là, cette partie-là. Ça va pour ça? OK, je continue. Maintenant, allons voir l'exemple suivant. Là, où est-ce que ça se complique? C'est quand on a des fractions qui ne sont pas sur 10, hein, où est-ce que le dénominateur n'est pas sur 10. Je t'en ai déjà fait mention, je me souviens, il y a quelques semaines, où est-ce que je te disais qu'il y avait des fractions qui étaient vraiment plus efficaces que tu les apprennes par cœur en nombre décimal. Parce que sinon, ça te demande de dessiner 100 petites parties et les diviser selon le dénominateur. On peut faire le test, mais ça va être vraiment long, hein? Alors, si par exemple, je prends un quart, comme tu vois ici, là, et un quart, je veux savoir c'est combien ça en nombre décimal, bien, j'aurais pas le choix de passer par une quantité de 100 objets pour vérifier ça représente combien sur ces objets-là. Vaut mieux les apprendre par cœur. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est dans ton carnet, de les écrire, cette liste de fractions-là, d'aller les écrire. Qu'est-ce que ça fait, ça, en nombre décimal? Parce qu'une fois que tu l'as en nombre décimal, bien, c'est facile de le mettre en pourcentage. Vraiment facile, parce que tu les as déjà, les dixièmes et les centièmes. Alors, regardons ça, je te mets, peut-être essayer de ton côté, hein? Moi, si j'étais toi à la maison, là, j'arrêterais là, je ferais une petite pause, j'essaierais de trouver c'est quoi ça, un quart? C'est quoi ça, un cinquième? Et c'est quoi un dixième, trois quarts et une demi? Probablement qu'une demi, c'est facile pour toi parce qu'on en entend souvent parler. Mais toutes les autres, il faut que tu les apprennes, OK? Alors, je te les affiche à l'écran, puis je veux que tu les écrives dans ton cahier. C'est important. Alors, je t'ai mis un gros écran, puis vas-y, OK? Alors, un quart, c'est égal, et là, je m'en vais me l'écrire, là. C'est 0,25. Un cinquième, je l'apprends par cœur. C'est ce que j'ai fait, moi aussi. 0,20. Un dixième, ça c'est facile, c'est 0,1 ou 0,10, c'est comme tu veux. Ensuite, trois quarts, c'est quoi trois quarts? C'est 0,75, c'est comme 3,25 sous. Et une demi, c'est 0,5 ou 0,50. Alors ça, là, c'est important que vraiment là, tu t'y réfères et que tu le mémorises, comme tes tables de multiplication, d'addition, de division, de soustraction, OK? Maintenant, voyons l'autre partie qui est comment je passe d'un nombre décimal vers un pourcentage. Et ça, je t'ai dit, c'est la partie la plus facile. Fait que ça, c'est facile. Alors là, je te remets encore les droites numériques, les mêmes que tantôt. Où est-ce que je te disais qu'un dixième, c'était la même chose que 0,1. Puis là, je te montre que c'est la même chose que 10%. OK? Et là, tu peux utiliser ces droites-là. Moi, si j'étais toi, là, je me ferais une grosse photo de ça, je me le mettrais dans mon cahier parce que c'est vraiment le truc à retenir, hein, de visuellement comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, si je reviens à ceci, je peux donc affirmer hein, que 0,25, comme j'avais tout à l'heure, c'est 25%. Et là, tu les as les réponses ici. 20 centièmes, c'est 20%. 10, mais là c'était 10 centièmes, c'est 10%. Alors c'est assez facile de passer du nombre décimal au pourcentage. Hein, c'est peut-être le contraire, là, hein, quand ce n'est pas nécessairement là, des nombres sur 10 ou sur 100, hein, des fractions sur 10 ou sur 100, ou est-ce que c'est plus compliqué? Es-tu prêt? On y va avec une petite résolution de problème qui met en contexte tout ce qu'on vient de voir, en fait, qui était des rappels, hein, qui était une révision de ce qu'on avait vu.
Alors, ce que je te demande de faire, ben, c'est de le lire avec moi. Je vais te le mettre en grand écran. On va regarder les éléments qu'il faut ressortir. Alors, ce que je sais, ce que je cherche, hein? Et ensuite, on va commencer la résolution de problème. Alors, je te mets ça en très grand pour qu'on puisse le lire ensemble. Voici. Dans l'avion volant vers l'Indonésie, il y a 10 rangées de 10 sièges. Ça, c'est la première information qu'on connaît. La moitié des places sont occupées par des touristes. Un quart des sièges sont pris par des citoyens qui viennent du pays. 0,2, alors 2 dixièmes des passagers sont des gens venus pour le travail. Et le reste représente l'équipe de vol. Combien y a-t-il de gens travaillant sur l'avion? Alors, ça, c'est ce que je cherche. Je veux donc savoir quelle est la quantité de personnes hein, qui restent et qui travaillent sur l'avion. Alors là, c'est important d'aller ressortir toutes les informations qu'on connaît, parce que pour arriver à la toute fin, il faut trouver les autres données. Alors, on y va. La première chose que je veux savoir, c'est combien j'ai de sièges en tout. OK? Et là, quand je fais mes démarches, hein, j'oublie pas d'aller identifier mes calculs. Ça, je le répéterai jamais assez. Parce que je suis pas dans ta tête et c'est difficile pour ton enseignant ou ton enseignante d'aller voir qu'est-ce que tu as fait comme calcul. Hein. C'est beaucoup plus facile quand c'est écrit, en tout cas. Siège en tout, alors c'est 10 rangées de 10 sièges. Alors, tu aurais pu les dessiner. Hein. J'aurais pu, par exemple, aller faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et aller les faire là, 10 fois ces sièges-là pour finalement arriver à le résultat suivant qui est 100. Hein? Parce que 10, quand je multiplie par 10, c'est que je rajoute un 0. Donc, je suis allée rajouter un 0. Pas besoin de calculer nécessairement mentalement ou de dessiner. Mais tu peux, dans tous les cas, le faire. Ensuite, on dit la moitié, c'est des touristes. Alors, je m'en vais écrire touristes. Je vais aller calculer mes touristes. Des gens qui viennent en visite. Et là, j'en ai la moitié. C'est quoi ça, la moitié de 100? Alors, j'ai 100. Et je veux donc diviser ça par 2. Hein? C'est ça, la moitié. Hein? Parce que ce que je t'ai pas dit, c'est qu'une fraction, c'est une division. Mais ça, je te l'avais déjà dit il y a quelques semaines. Alors, qu'est-ce que ça fait? Bien, je peux les dessiner. Sinon, moi, je le sais hein, que c'est 50. Sinon, bien, je les sépare. J'aurais pu faire deux paquets comme ça, hein, puis aller porter mes dizaines. Alors, j'ai une dizaine ici. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Et je trouve que c'est donc une moitié, c'est 50. Je m'en vais faire la dernière partie. En fait, il m'en reste deux. J'ai le quart des sièges qui sont les citoyens. Alors, je m'en vais écrire citoyens. Et j'ai le quart. Alors, c'est divisé par 4. Le quart, c'est divisé par 4. Alors, j'ai 100 que je vais diviser par 4. Et je vais faire la même technique que tu peux utiliser ici. C'est juste que tu vas arriver à un petit problème qui est celui-ci. Hein? Alors, qui est celui-ci que je divise par 4. Là, je peux aller mettre mes dizaines. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Et là, il m'en reste 20 que je dois séparer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors, je trouve que c'est 25. Mais ça aurait été aussi très facile de dire, ben c'est quoi ça, un quart hein, sur 100? C'est quoi ça, un quart quand j'en ai 100? Puis un quart, tu sais que c'est 0,25. Et 0,25, ça veut dire que j'en ai 25 centièmes, 25 sur 100. OK? Alors, c'est pour ça que je te dis de les apprendre par cœur. Des fois, ça peut juste rendre les choses plus rapides. 0,2, alors ça, c'est 2 dixièmes. Hein? Alors, 2 dixièmes, c'est quoi ça, 2 dixièmes? On va aller voir les passagers qui sont venus pour le travail. Je vais écrire ça ici. Alors, c'est quoi ça, 0,2? Hein? Je t'ai dit de l'apprendre par cœur. C'est donc, hein, tu vois, j'ai rajouté un 0 pour dire que c'est 20 sur 100. Donc, c'est 20. Ceux qui sont venus pour le travail, il y en a 20. Et là, il me faut que je calcule le reste. Alors, c'est l'équipe de vol. Et là, l'équipe de vol, tiens, je vais les calculer ici. Il faut donc que j'additionne tout pour vérifier, dans le fond, qu'est-ce qui me reste. Alors, j'avais 100 passagers. J'avais 100, en fait, 100 places, hein, sièges en tout. Et je soustrais à chaque fois ce que je trouve. Alors, j'en avais 100 moins 50. Ça me donne 50. Ensuite, j'enlève aussi 25 moins 25. Ça me fait 25. Et là, je continue, j'en avais 25. Et là, j'en soustrais combien qui viennent du travail? C'est 20 qui viennent pour le travail. Il m'en reste donc 5. Et donc, la réponse, c'est j'ai donc 5 personnes qui travaillent sur l'avion comme agent de bord, comme pilote. Ça va?
Hein? Alors, si tu es arrivé au même résultat que moi, je te félicite. C'est pas facile hein, quand on est en mélange de pourcentage, de nombre décimaux, de fractions. Il faut se rappeler que ça a tout du sens ensemble. Okay? Ça veut sûrement dire la même chose. Je termine en te disant que je deviens agent de voyage, OK? Et je te fais rapidement, parce que c'est ton défi du jour, découvrir une destination que je veux que toi, tu me fasses découvrir, OK? Alors, ton défi, c'est de me faire découvrir l'endroit du monde que tu aimerais visiter. Le mien, je te le fais découvrir, ça va prendre deux petites secondes. L'endroit que moi, j'aimerais découvrir, en fait, je te le présente à l'instant, c'est l'Indonésie. Alors, je te suggère d'aller visiter l'Indonésie. Regarde, ça ressemble à ceci. Hein? Alors, j'ai des bonnes raisons de croire que c'est l'endroit, la destination à aller visiter, puisque les images t'amènent, oui, hein, avec de la mer, avec une nature vraiment incroyable, des installations zen et des chutes, tu vois. Alors, plein de choses. Et comment j'ai fait? Ben, je suis allée sur Google Earth, hein, tout simplement. Je suis allée voir les photos et ça me permet de te faire découvrir ma destination idéale. Je veux que tu fasses la même chose, tu me partages ça sur les réseaux sociaux comme tu fais d'habitude. Je te laisse en disant qu'à 16h30 aujourd'hui, je rencontre donc Patrice Bernier, je t'en ai parlé un petit peu plus tôt, et je t'invite à te connecter sur le Facebook Live, poser tes questions et en découvrir plus sur son parcours. Je te souhaite une belle journée. À demain!